Et c'est le rêveur perché, bonjour. Là, il va falloir que je vous dise beaucoup de choses. Il y a eu le confinement et il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période qu'il va falloir qu'on se revoie tous ensemble. Donc je vais vous dire un petit truc déjà. Je suis content de vous retrouver parce que ça fait un petit temps que vous n'avez pas revu, je pense, vraiment ma tête et tout. Là, on va vraiment vous expliquer ce qu'il y a eu. En fait, je vais pas faire une grosse vidéo pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement. Je pense qu'on en a assez parlé tous ensemble. Mais voilà, c'était une période compliquée. Il y a des gens qui sont décédés dans cette période. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. On s'en est sorti. Et là, à l'heure où je vous parle, on est en déconfinement progressif. Considérons ça. Mais voilà. Moi, ce que je voulais vous dire pendant cette période, c'était une période compliquée parce qu'il s'est passé des choses mauvaises pour ma part personnelle. Donc, je vais pas m'étaler dessus, mais c'était compliqué pour ma part. Il a fallu que je trouve des moyens de penser à autre chose ou de faire des trucs. Ça a été une période où je me suis rabattu beaucoup sur la musique. Vous savez que ça fait partie de moi depuis très longtemps. Avec FL Studio, donc 20.6, notre petite dernière version, voilà, qui arrive tranquillou, voilà, donc avec 2-3 petits trucs en plus. On a un plugin qui s'est rajouté qui fait partie maintenant de FL Studio en lui-même, donc qui est propre à FL Studio, qui s'appelle Flex, où vous pouvez avoir des sons un peu des années 80 et tout, et c'est super bien foutu. Donc que j'utilise plein pot, parce que j'ai refait aussi tout parce que mon ordinateur a eu un gros bug aussi à un moment donné, il a fallu tout remettre. J'ai Photoshop qu'on a dû remettre. Après on utilise donc Photoshop que j'utilise pour mes trucs de vidéo et mes présentations d'albums et tout. On a Adobe Premiere Pro parce qu'on a un clip qui doit arriver dans quelques temps, mais voilà, j'espère pouvoir vous le faire un jour. Voilà un clip que j'avais dit que je tournerais un jour à Montauban parce que je ne peux pas quitter, je pense, cette ville ou ne jamais faire un clip sur cette ville avec tout ce qui s'est passé en fait. Et je voulais vous dire que pendant la période donc du confinement, en fait, c'était compliqué, mais en fait, je me suis rabattu sur la musique. En fait, j'ai écrit beaucoup de musique, parfois pas terminée et d'autres qui se sont finies. Parfois même 2 par jour et une fois tous les jours je me suis fixé ça. Non pas parce que je me forçais mais parce que j'en avais envie. Et ouais j'ai fait ça. Voilà, production, 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 production. J'ai pas les paroles donc vous savez que je suis très instrumental à la base et pourtant j'ai des logiciels maintenant même avec le FL Studio pour pouvoir me le retravailler et avoir ma voix telle que je compte vous mettre ma voix donc dans les musiques. Donc ça à voir par la suite mais vous allez avoir là. Pour les vidéos qui vont venir, en fait, des vidéos où je vais prendre les musiques peut-être que j'ai préférées le plus, et je vais vous mettre mon style de voix, mon style de musique, où je peux être très varié, je peux passer un truc lent comme un truc rapide, triste, joyeux, j'ai les deux côtés. Après, j'ai pas la meilleure des voix, j'aurai pas le meilleur des trucs, ça sera mon délire à moi. J'ai un monde bien à moi dans mon délire, donc si ça vous plaît, tant mieux. Bon, ben, si ça vous plaît pas, ça vous plaira pas après. C'est pas censé normalement être un truc fabuleux, mais c'est sûr que je voulais le faire parce que ça m'a éclaté. Je suis sur YouTube toujours et j'ai toujours continué d'être comme je suis en fait. Et j'adore YouTube, je m'arrêterai jamais. J'ai jamais perdu ce truc. Ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on y est dessus. Donc voilà, et puis. Enfin, tellement de choses passées, une partie de ma vie, de toute façon, dans ces vidéos, et il y a eu de tout, vous m'avez vu dans des bons états comme des mauvais états, malade ou pas malade, dans mes délires ou pas dans mes délires, et voilà, je me rappelle d'où ça vient quand même à la base, d'où on est parti, et voilà, et ça marche quand même plutôt bien, écoutez, on est à 662 abonnés, alors je vous parle, je vous remercie, merci, merci, bisous, gros bisous à tous ceux qui me reconnaissent. Donc voilà, je voulais vous dire que là, pendant un petit temps, ben, on va avoir des musiques comme ça et tout. Et pour terminer, ben, comme promis, parce que je me le suis fixé, je vais vous le faire. On a GTA 4 qu'il va falloir que je vous montre en intégralité, donc sur une partie qui est complètement terminée à la base. Le jeu sur PC. Et je voulais vous faire des jeux sur portable, sur mon ancien portable, comme World of Goo et Little Inferno. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On a un Mario Kart que je vous ai montré sur DS aussi à un moment donné où on aura une nouvelle version. Donc on revient avec la version Deluxe sur portable. Donc je vous montrerai des nouveaux circuits, des nouveaux personnages, mais ça, grosse surprise qui arrive. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'aimerais me faire pour l'année. Je pense qu'on peut tenir avec ça.
Sachant que les deux jeux que j'ai dit, World of Goo et Little Inferno, c'est deux jeux qui vont prendre un petit peu de temps. On a Monument Valley que je voulais vous faire aussi, donc j'ai le 1 et le 2, j'ai réussi à les retrouver. Donc pareil, ça, on va voir si on peut se le faire tranquillement entre nous. Et puis j'espère que ça vous plaira vraiment. Et en tout cas, je vous dis à très très vite, et puis ça me fait plaisir de vous retrouver. J'avais envie de faire une petite vidéo quand même, parce que depuis le temps, il s'est écoulé beaucoup de choses, et il s'est passé énormément de choses en peu de temps, c'est toujours comme ça. Et je vous rassure, je vais bien, j'essaye de faire des choses pour aller bien. Donc voilà, mais voilà, en tout cas, on se retrouve très très vite, avec le rêveur perché, et puis toi, toujours aussi motivé. Ça fait bizarre de vous retrouver là, de vous reparler comme ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien! C'est génial, c'est génial. Alors voilà, donc des productions qui se sont faites donc vraiment pendant cette période où on a été confinés. Je pense que des gens ont été hyper productifs et ont montré de la créativité dans tous les sens, dans tous les domaines. Et on fait un gros bisou à tous ceux qui étaient en première ligne, évidemment, qui nous ont permis d'accéder au meilleur et de s'en sortir. Faut pas parler du dramatique, parler de ce qu'on a réussi à avancer, ce qu'on a eu réussi à comprendre. D'autres gens m'ont parlé bien assez et tout, et je peux pas vraiment m'étaler sur ça, je suis pas très expert sur ce genre de choses, c'est pas mon but sur cette chaîne, mais je m'arrête quand même un petit peu dessus, parce qu'on y a tous été normalement. Et comme je vous ai dit, moi voilà, j'ai été côté musique, et énormément de production, je dois avoir une vingtaine de musiques, et de toute façon, je vous mettrai tout ça tranquillou. Donc voilà, je vous ai mis une petite instru de Jul pour l'instant, avec laquelle vous pouvez vraiment vous éclater, donc la vraie de Bœuf Magique que j'ai réussi à retrouver. Voilà, qui a un rythme assez rythmé, qui est assez sympa, voilà, quand vous voulez vous taper des délires avec des potes et tout, histoire que vous ayez la vraie, vraie, vraie. En tout cas, je vous dis à très, très vite, gros bisous, voilà, c'était pour vous faire un petit coucou, vous dire que je suis toujours ici, ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Et voilà, et puis on se retrouve très, très vite, faites attention à vous, prenez soin des gens que vous aimez, voilà, n'hésitez pas, vous avez des trucs à me dire, vous me le dites, vous avez des choses à me proposer, vous me le dites aussi. Et voilà, donnez-moi des idées aussi, hein, n'hésitez pas, voilà, même si on a nos trucs fixés, on se fera nos trucs, voilà, quand même. Donc voilà, ça fait beaucoup de trucs, je sais. Donc là, on est en pyjama à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, et ouais, je m'éclate, c'est énorme. Il est 20h23, on est le 09-06-2020, et je vous fais de gros bisous au cas où cette vidéo se tournerait peut-être après, sans voix après ou avant. Donc voilà, mais en tout cas, je voulais vous dire que vous êtes derrière moi, je le sais pour certains, et je vous remercie, et... Puis voilà, je fais un gros bisou donc à tous ceux qui me reconnaissent, un gros bisou à ceux qui sont là depuis les débuts de la chaîne et qui ont toujours continué à me prendre, même si vous voyez que dans ma chaîne, des fois on part sur de la musique, après on repart sur un autre truc et tout, et pourtant, genre, je suis pas trop varié, mais c'est vrai que la musique, les jeux vidéo et alors les vlogs, bah, ça va rester pendant. Ça va rester longtemps en fait. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis bah, franchement, on se retrouve très vite. Voilà, ciao! Ah, on a oublié la télécommande. Voilà, parce que moi, bah, j'ai toujours fait avec les télécommandes avant, après, voilà, parce que j'ai pas trouvé de mieux que de prendre la télécommande comme si c'était la télé. C'est, écoutez, on essaie de trouver des trucs, on essaie de s'éclater comme on peut. En plus, on a un temps qui est pourri et un coup il fait soleil chaud et d'un coup, ben, ça passe à de la pluie. Donc, je sais pas quoi dire moi. Après, on est dans des orages là, c'est le bordel là-haut. Mais en tout cas, je vous dis à très très vite. Je vous fais de gros bisous, ciao. Bisous et à ceux qui me reconnaissent. Et un petit coucou au monde de Ludy. Voilà, ciao.